Ça, ok. Ok. Is good, m'entend-on? Ok. Is good, m'entend-on? Oula! On entend un peu trop le ventilateur. Donc si je fais suppression du bruit à fond les manettes, ça change quoi? Bon bah ça a l'air d'aller, hein. Salut Ludvika. Bienvenue sur ce stream de la chaleur. J'ai chaud. Voilà. Je suis à moitié aveugle en plus. Ah. Comment va-t-on sur ce stream? Ils sont où mes jeux? Ah, ils sont là. Oh putain. Pendant un moment, la liste de mes jeux sur le Game Pass, il s'affichait plus. Donc j'étais en train de me dire Grounded, je me fous bien dans le fion, c'est ça? Mais non, c'est bon. J'ai une angine qui a migré en bronchite. Ah! Ça, c'est pas cool, ça. Ça, c'est pas cool, cool. Je suis coincé au lit à m'arracher les poumons. Ah bah oui, là, tu m'étonnes. Merde. Bon, bah... C'est une bonne opportunité de regarder ce stream. Franchement, j'avoue que j'avais hâte de continuer. J'aime beaucoup ce jeu. Donc ouais, j'ai passé une journée et demie complète à... C'est quoi le truc? Ouais, les uploads, les thumbnails, tout ça là. Ça fait 7 jours, c'est long même avec un traitement. Ah ouais? Ah oui, ça fait long, effectivement. Alors, attends. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait la masse de trucs cuisiné. Ok. Il me faut la rosée du matin. Il y avait des vidéos, notamment le gameplay intégral, le let's play intégral de Resident Evil Code Veronica. Ouais. 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais en suspens depuis 2018. Il y avait d'autres trucs d'un peu dans le même genre. J'ai vu l'épisode sur YouTube, j'ai de quoi faire. Je peux avoir une série à regarder, ça tombe super bien. Eh ben, à propos de série. Là, moi, en ce moment, je suis à fond les ballons sur une des nouvelles séries qui s'appelle Silo. Eh ben, je recommande... C'est quoi, ça? Oula! Ouais, je recommande chaudement. Hein? Nick! Voilà. Punaise, oh putain. Oh! Bon, il n'y a qu'une saison de 10 épisodes, hein, mais vraiment. Ça vaut son pesant. Non! Et puis sinon, ouais, bah, il y a cette bonne vieille chaîne. Oh, je sais plus parler. Cette bonne vieille chaîne de Valerius TV. Avec moult vidéos. Récupère la prochaine super puce. Alors, c'est quoi ma prochaine destination? Donc la haie, c'est fait. C'est quoi ça? Super puce électronique. C'est quoi cette zone ronde là?
Bon bah allons voir. Hein. Donc attends, c'est par où? C'est par là. Je me suis refait. Je trouve tellement à regarder que je me refais les séries des années 80, je me recevrai pour la énième fois toujours autant fan. Ah non mais X-Files, oui, forcément. C'est cultissime. Oh putain! Je pense que je suis pas équipé pour affronter ce genre de choses. Oh! Putain, il me fait peur lui. Alors, on n'arrive pas à monter? Allez, chais. Ah, quoi? Tu sors d'où, toi? C'est quoi, ça? Oh! Coccinelle infectée? What? What the fuck? Oh! Ah carré... Oh! 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 Ça a un peu plus de vie, hein! Oh putain! Oh! 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 Wow! Et je pense que c'est pas de mon niveau, hein. Ce jeu me rappelle un autre avec la station aquatique que tu as mis de côté par le confinement. Hein. Ouais, Subnautica. Non, alors en vrai, franchement, j'aimerais beaucoup continuer Subnautica, mais ça fait trop longtemps. On s'attaque ! Non ! Oh ! Ah ! Pour le coup... Oh ! Pour le coup, Subnautica, ça fait vraiment trop longtemps que j'y ai plus joué, donc il faudrait que je le recommence. Et là, la mort. La mort, le décès... parce que Subnautica, c'est un jeu long. Oh ouf. Il est mort, lui? Intéressant, ça. Oh là là! Moucheron infecté. Mais c'est quoi cette zone, là? Pourquoi tous les trucs sont infectés? Oh là là! Scientist at work, watch your step. Il est encore là, lui. Joli saut, ouais, enfin... J'ai eu un petit... larve infectée. Ça a failli mal finir, quand même, le saut. Mais qu'est-ce que... The fuck was that? Ouais, j'ai... What the fuck? J'ai soif. J'ai rien pour boire... si, j'ai ça. Mais que rien. Oh, mais qu'est-ce que... Oh! Oh là, oh là, oh là, oh là! La zone est radioactive! Ouais, c'est clairement pas de mon niveau. C'est peut-être pour ça qu'il me demande de crafter un masque à gaz. Ok. Ok. Il faut devenir un stalker. Oh, d'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai eu. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. J'ai réalisé un truc, mais alors, franchement, je pense que ma vie ne sera plus du tout la même après. Oh putain, ça faut que je vous raconte ça.
Donc, comme dit, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça d'un coup. J'ai eu cette... cette réalisation, ce flash d'information, ce flash info. Est-ce que vous saviez que depuis tout ce temps, depuis le début, en fait, la... Attendez. Ok. Ouais, depuis tout ce temps. La traduction FR de Star Wars, elle est pas bonne. Ce que vous n'êtes probablement pas sans savoir, qu'en français, Star Wars, on l'appelle souvent la guerre des étoiles. Hein, voilà. Même si bon, depuis le temps, on appelle ça Star Wars, mais fut un temps où ça s'appelait la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, tout ça. Et ben en fait, il se trouve que la traduction française, la guerre des étoiles, n'est pas bonne du tout. Parce que si on retraduit la guerre des étoiles en anglais, ça fait Star Wars. Non, Stars War, oui, voilà, c'est ça. Alors que... c'est Star Wars, pas Stars War. Ce qui veut dire que... Je vais analyser ça. Voilà, les guerres de l'étoile. Exactement, Ludwig. Voilà, c'était ça en fait. La réalisation que j'ai... Voilà. C'est nul, hein, mais bon... pas non plus s'attendre à autre chose. Bon, du coup, ça, c'est pas encore pour maintenant. Du coup... Eh mais attends... Donc ça, c'est... Donc depuis le début, je suis que dans cette zone-là, avec les temps, et il y a encore tout ça, que j'ai pas encore... Oh mon Dieu, mais en fait... Ce jeu est tellement immense, c'est abusé. Ok. Ok. Oh my god. Ouais, d'ailleurs, on le voit. En plus, j'ai le rond jaune, là, j'ai exploré que ça. Oh, oh là là. Eh, mais... 2 semaines de vacances, ça va pas me suffire pour finir le LSP de ce jeu. Je vais devoir allonger, hein. Bon, bah, j'ai envie de dire... let's go, hein. Allons à l'aventure. Ça sonne moins bien à l'oreille. Ah oui, oui, les guerres de l'étoile, oui, clairement. Parce qu'en plus, les guerres de l'étoile, c'est plus lore accurate, parce que ça se passe que dans une seule galaxie, donc il n'y a qu'une seule étoile. Donc ça peut pas être la guerre des étoiles. Parce que ça voudrait dire qu'il y a plusieurs galaxies, alors que c'est pas le cas. Enfin, si, t'as pas... Hein? Pourquoi je prends des... Qu'est-ce que... Mais what the fuck? Pourquoi je prends des dégâts de radioactivité? Oh, oh, oh! Ah, parce qu'il y a ça. Et en plus j'ai soif. Gimme 10. Ok. Ouais, à part a priori dans la série Ahsoka que je n'ai pas encore commencé, il parle de plusieurs galaxies. For the first time. Donc voilà. C'était la parenthèse useless de ce stream. Merci. De votre attention. Appareil mystérieux. C'est quoi ça?
Ah, c'est le Raptisor 3000. Ouais. Aucun problème. Il me faut encore de l'eau. Ok. Je pense que Star Wars fait référence à l'étoile de la mort. Bah non, c'est juste un titre qui a été donné comme ça en fait. Il n'y a pas vraiment de... Voilà. Salut Sushix! Continue tout droit. Oh. Pourquoi les larves infectées, elles explosent? Eh, il me faut vraiment un masque à gaz. Hein. Attends, j'ai le plan. C'est quoi déjà qu'il me fallait pour... masque à gaz. Rostre de charançon, duvet de mouchereau, corde rudimentaire et bout de punaise. Bout de punaise. LOL, bout de punaise. Bon, bah le masque à gaz, c'est pas pour tout de suite, hein. Il y a une super puce là? What? Oui. Oh, oui quoi? Depuis quand ça saute les fourmis? Oh la zone elle est rancureuse hein. Bon. Barrez-vous! Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Il y a un truc énorme encore là-bas. Oh là là. Oh, il y a plein de punaises. Oh là là. Mais putain. Elle est où la fucking super puce là? Oh ouais, vas-y, fightez-vous. Ouais. Fritez-vous! Non mais pas moi par contre! Non! Ah, l'échelle, t'es trop fat, tu passes pas! Alors, si tu passes. Oh putain! Oh, ça par contre, c'est bien. Ok. Putain, elle est où cette super puce de mort là? Faut creuser? What the fuck? Hein? Je comprends que dalle. T'as parlé trop vite. Ah, oh, ça va, hein? Oh! Dis-moi où elle est là! Oh, il est Keblo. Je devrais peut-être fabriquer un arc, en fait. Ouais, mais le problème, c'est qu'il est Keblo, je peux pas aller essayer de le fighter parce que c'est une punaise. Il va chier partout, là, et puis après, ça sent pas bon, et puis je meurs. Putain, je suis en train de boire dans le connard!
Oh putain! Non! La cassette! Putain, le salaud! Il a attendu que j'ai sorti la bouteille d'eau pour faire ça, salaud! Bon. Pardon les voisins. Hein. Bon, ça va, j'ai pas les fenêtres ouvertes, donc... Oh, et puis ça va, hein. Eh, hey, les voisins, je les entends ken à 4h du matin. Ils me doivent bien ça, hein. Alors. Bust a jam, dance mix. Oula. Ok. Allez, là, le terrain inconnu. Oh, je vais sauvegarder. Hein. Ça, je reconnais, c'est le bruit d'une orbitelle sauvage, ça. Oh. Ah non, une araignée loup. C'est pareil. C'est pareil. Ok. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Grub time. Putain. Je charge la partie. Voilà. Hors de question que je me retape tout le chemin depuis la base. Hors de question. D'ailleurs, la base, je vais peut-être la... Peut-être la migrer. Ah, tu fais quoi là hein? Ouais, c'est ça, bouge plus, va. Hop là. Ah, tu sais plus quoi faire, hein, tu es désemparé. Bon, par contre, faut pas que je fasse de la merde là parce que. Elle est prête à me cueillir. J'avais oublié que quand tu sautes et que t'appuies sur la touche de sprint, en fait, il pète le parapluie Mary Poppins là. Je vais pas aller voir ailleurs si j'y suis. Va en haut de la colline voir si j'y suis. Va. Oh putain! Oh là là. Oh là là. Oh. C'est quoi ça? Un chewing-gum, c'est dégueulasse. Alors en vrai là, je vais pouvoir valider une théorie que j'ai, pas sur le jeu spécifiquement, hein, mais l'étape de camping, vous savez, genre je sais pas, vous allez en montagne. Puis il y a une petite table de camping en bois, dans un petit coin ombragé, super sympa et tout. Il y a de l'herbe et tout. Est-ce que genre, ce qui peut potentiellement être sous
la table de camping, ça vous fait pas ultra flipper, vous? Moi, ça me fait ultra flipper. Il peut y avoir tout et n'importe quoi, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Fouineur professionnel, d'accord. Encore une molaire, très bien. Ils ont un truc avec les molaires dans ce jeu. C'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Pourquoi il parle de cloporte? Oh! Cloporte maladif? Genre coller sous la table ou par terre sous la table? Par terre, par terre! C'est la nature. Ouais, bah tu m'excuseras, la nature ça fait flipper, hein! Moi que t'as jamais affronté une araignée loup géante, hein. Oh! Hey! Pourquoi maladif? C'est quoi ton problème? Faiblesse, concassage, épicé. Faiblesse, épicé? Hein? Ok. Alors, je vais essayer un truc. Hein. Allez, alors! Oula! C'est passé quoi là? Ok. Le truc, il a bougé, je suis mort. Bon bah, my bad, hein. J'avais très bien que j'allais mourir, mais je pensais au moins que je le verrais venir, quoi. Bon bah, à plus, hein. Canette de soda. Putain, mais ramassez vos déchets dans la nature, bordel, c'est pas compliqué. Ok. Super puce. Ah, mais... Ouais, laisse-moi deviner, la super puce, genre, elle est là-haut, là. Comment je fais pour aller là-haut? Faut quand même pas que je construise des trucs. Non, parce que putain, s'il faut que je construise un truc, ça fait haut là, wesh! Hey, par contre, les abeilles, vous m'attaquez pas, s'il vous plaît, hein. C'est bien un truc que j'ai pas envie de tuer dans ce jeu, c'est les abeilles, quoi. Bon, bah comment je peux procéder, là? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fabrique? Rampe, escalier, en colimaçon, en gland. J'ai pas en... Oh, attends. Attends, attends. Est-ce que genre... Oh là là. Attends, je me pose des questions là. Oh mon dieu. Ouais, c'est faisable. Hein? Incompatible? Comment c'est incompatible? Pourquoi? Oh attends, il faut... Non. Il parlait pas d'une capuche de trèfle dans l'émission? Capuche en trèfle, oui. Oui, non mais ça c'est pour... C'est un chapeau, quoi. C'est ça. C'est... ça va pas m'aider à aller là-haut, quoi. Mais oui, tu as raison, Ludwika, effectivement. Oh là là, attends.
Je vais essayer, je vais voir un truc. Vous le sentez, vous le sentez, le truc archi-giga méga long. Oh putain de merde, quel enfer. Bon bah go, hein. N'empêche, hey, je suis quand même vachement curieux. Imaginez vous voilà, t'as un jardin, tu veux te faire une petite bouffe sur la table de camping, pépère et tout. Et d'un coup, il n'y a plus d'herbe sous la table. Et puis t'as un escalier miniature fabriqué avec de l'herbe, justement. Comment tu... À quoi tu penses? Quand tu vois ça. C'est quoi le premier truc qui te vient à l'esprit? Oh, plus je peux même pas aller. Oh là là. Tige d'adventice, en plus, il n'y en a pas ici. Oh. Non, bon, c'est pas possible. Il y a forcément un autre moyen de monter. C'est pas possible. Oh putain! Je vous avoue que je désespère un petit peu là. Je suis tiraillé. Oh là là. Et mais attends, tige d'adventice, ça pissenlit. Là. Paf! Ouais! Fourmi rouge, sais que tu es là? Hein? C'est quoi ça? Oh putain. Fourmi rouge, c'est que tu es là? Ok. Très bien, bon. Voilà, 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 oh, t'énerve pas. Avance.
Bon, ça avance plus vite que ce que je pensais, mais bon. Ah, la passion d'un let's play. Surtout, n'oubliez pas les pouces bleus et les abonnements, hein, c'est important. Et repartagez les tweets que je ne fais pas et tout et tout. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais il y aura... Bon, il y aura assez d'herbe. Mais est-ce qu'il y aura assez de pissenlit? Rosina, qu'est-ce que je pourrais faire pour un petit peu meubler l'ambiance actuelle? Parce que bon, disons que ce qui se passe actuellement n'est pas forcément passionnant. Bah, je sais pas. Bon, je sais pas, vous pouvez vous mettre de la... C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi qui rampe là? Ah, c'est une... Oh, putain. Qu'est-ce que fourmi noire. Oh. Ça va, ne profite pas. Oh. C'est vous qui êtes censé être les bosseuses là, pas moi. Non mais... En dehors du let's play, tu vas faire quoi de beau de tes vacances? Bah comme je suis déjà au milieu de mes vacances, déjà une semaine qui est passée, c'est nul. J'en profite pour dormir. J'en ai profité pour avancer sur ma chaîne, rattraper un peu le retard des uploads. Et ça, c'est cool. Franchement, ça fait du bien. Je continue à renjouiller un petit peu l'appart. Ceci était un mensonge. Je passe du temps avec mes lapins. Ça veut dire que la fourmilière noire n'est pas loin. La fameuse fourmilière noire. Ouf. Bon, ça va, ça avance pas mal. C'est hautement réaliste, hein, comme vous pouvez le constater. C'est vachement bien soutenu comme... comme pont. Bon, il me faut du pissenlit de nouveau. Les fourmis rouges et les fourmis noires, elles se foutent pas sur la gueule. D'accord. Intéressant. Du pissenlit. Donnez-moi du pissenlit. J'aime bien le pissenlit. Les lapins aussi aiment bien le pissenlit. Les lapins adorent le pissenlit. C'est quoi ça? A spoon. Ramassez vos puchas. Non. A spork. C'est une spork. Ramassez vos putains de déchets.
Bordel. Bon, ça, je peux pas, il me faut... Non, il me faut du niveau 2, mais c'est pas grave. J'ai juste à trouver du pissenlit. J'hésite à creuser, mais je vais le faire quand même. Je sais que c'était pas une bonne idée! J'ai quand même fait! Non! Ne me tue pas, s'il te plaît, j'ai pas sauvegardé depuis un an! Du pissenlit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh. Oh. Mais il laisse vraiment traîner tout, hein. C'est abusé. C'est quoi ça? Qu'est-ce donc? Ok. Comme un burger fruité. Ah! Du pissenlit. Yes. Ok. Donc là, il y a des toiles. Oh. Ouf. Oh. Plein d'orbitelles, je me casse. Un autre arrosoir. Tiens, il n'est pas beau cet escalier? Magnifique cet escalier. Toujours lui là? Il attend que ça, hein? Salaud, va. Ah!
Ramène-moi des brins d'herbe si déjà t'es là. Aide-moi. Bon allez, promis, dans la vidéo se... Dans la vidéo sur YouTube, je mettrai un timecode pour skip après la construction d'escalier. Il me les a jetés... Ah là, putain. Tu me les embarques pas, hein. Je vais t'appeler Billy. Voilà. Billy la fourmi. Non mais j'hallucine, il reste vraiment sur ce putain d'escalier. Là, par contre, jouer à plusieurs dans ce genre de cas, bah c'est cool. Il y en a un qui cherche du pissenlit, l'autre qui ramène de l'herbe. Enfin voilà quoi. Là on s'emmerde. Mais non, c'est pas un mur que je veux. Ah, oh, cet œil de mort là. L'enlever, ça continue. Ça me trigger de fou, hein, que... Ah. C'est Stairways to Heaven, cet escalier. Bah, je mettrais bien la musique, hein, mais...
Disons que mettre du Led Zepp en stream, ce soit peut-être pas forcément au petit. Le bot, il risquerait de pas apprécier. Et de me ban la chaîne. En fait, non, je me ferais pas ban parce que j'ai encore eu aucun strike. Donc je pourrais essayer de chercher un spoof de Stairway to Heaven. Une musique qui change juste assez la mélodie pour que ça passe. Mais trop risqué. Ouais, enfin, tu m'excuseras, est-ce qu'elles ont un jour de vacances, les fourmis Billy, il en fout pas beaucoup de choses, hein. Il en fout pas lourd, hein. Je vais changer de direction. Ouais, par là. Putain, là, si j'étais vraiment Ant-Man, je pourrais lui dire à Billy, va me chercher de l'herbe, va me chercher de du pissenlit, vas-y. Fais des trucs. Là, vous voyez, s'il y avait Vise, si Vise était là, présent, en jeu, avec moi, et possiblement Iradeus, là, Vise, il serait au bout de sa vie, il aurait envie de mourir. Ça le passionne grandement, ce genre d'activité dans les jeux vidéo. C'est quoi ça? Ça, c'est une patte de chat, non, de chien non plus, je sais pas. Bon, par contre, là, ça me donne des idées. Ça me donne des idées, tout ça. Ça me donne des idées pour une petite base. Oh. Ah, oui, c'est vrai. Bon, bah, on va retourner chercher des pissenlits, hein. Quartzite fragile. On va se détendre un peu. Voilà. D'ailleurs, j'y pense. Le quartz. C'est pas un minerai précieux? Genre comme le cobalt et tout, là? Je peux me tromper, hein, mais... Pas vraiment? Ah, my bad.
que je me suis dit, putain, si le quartz c'est un métaux, c'est un minerai précieux, dans son jardin, il est goldé, le gars, hein. Il est utile pour les montres. Ah ouais. Je parlais de Silo tout à l'heure, la série. Eh ben, en fait, sans m'en rendre compte, je suis un peu en train de faire comme dans la série, parce que, sans spoiler, il y a un très gros escalier, très long escalier dans la série. Bah en fait, c'est un peu ça que je suis en train de faire. Au moins sexy par contre, hein, parce que bon, niveau vraisemblance et réalisme d'escalier, on repassera, mais ça marche, hein. Ça fait le taf. Soyez en passant, heureusement que les abeilles, elles ont pas l'air belliqueuses. Enfin, de toute façon, les abeilles, c'est pas belliqueux, mais bon. On est dans un jeu vidéo, après tout. Ah, j'ai chaud! Ça va, vous entendez pas trop le ventilateur? Parce qu'il est à fond, là, hein. Et comme j'ai le micro justement à la gueule... Tant que ta voix, ma merveilleuse voix suave et suante. Parce que même ma voix sue, tellement j'ai chaud. C'est un beau tas d'herbe en tout cas. Hein. Ça manque un peu... J'ai vraiment cru qu'il allait me chourer un brin d'herbe. Salaud! Un petit pissenlit là! Un petit pissenlit à proximité! Allez! Hop là! Je vais sauvegarder, hein. Ça vaut mieux. Voilà. C'est quoi ça? C'est une araignée! Il pisse en lit là! Non! Non! Hey! Tu veux bien te barrer, genre? Stop! STP! STP, tu veux bien te barrer? Quoi? Ah, ça va recommencer les conneries, hein. Vas-y, j'ai trouvé du pizza. Hop là. Oh, c'était une idée de merde. C'est marrant, on dirait presque que c'est fait exprès pour qu'on puisse monter comme un escalier. C'est marrant ça. Oh. C'est bon, c'est barré, on peut vivre. Comment? Non. 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 Rends-moi la vue. C'est quoi ça? Rends-moi la vue. Ah, c'est bon. Keep that pointy death spear away from me.
Lance de mort? Mais c'est une abeille, gros! Calme-toi! Maintenant, j'ai perdu le pissenlit, c'est ça? Il est où? Là! Oh, yes! C'est quoi ça? Ah oui, oh putain, j'ai cru que c'était... Ouais. Ça fait quand même 2 jours in-game que je bosse sur ce putain d'escalier. Hein. La récompense a intérêt à être à la hauteur. Je sais pas pourquoi je viens de repenser à un film là. Small Soldiers. Vous l'avez vu celui-là? Un des films de mon enfance avec des jouets vivants. Mais en fait, c'est un peu le Toy Story du pauvre, mais en mode un peu plus vénère. Parce qu'il y a des jouets méchants qui veulent casser la gueule aux humains et tout. Ah. On y est presque. Je vois le bout du tunnel. Je suis surpris qu'il n'y ait rien de plus... Il n'y ait rien de vraiment vénère ici. Enfin, sous la table de pique-nique, quoi. Bientôt, bientôt. Soon. De l'herbe. Il faut de l'herbe. C'est de l'herbe séchée. Allez, j'en mets encore un petit ça, et ce sera bon. Oh putain, on y est arrivé. En fait, ça va, j'ai pas passé autant de temps que ce que je pensais. Juste 20 minutes, quoi. Un peu plus. Un peu moins? J'en sais rien. J'ai chaud.
Quand même curieux de savoir ce que c'est ce vieux truc là. Hein. Allez hop. Je vais sauvegarder. Voilà. Ça, c'est une plume de corbeau. Très bien. Une peau de banane. Oh, les petites abeilles qui dorment. Ma... Vous, vous vous énervez pas, hein. Je vous attaque pas. Si ça, c'est pas mignon. Non, on peut pas rester dessus. Je me suis dit, peut-être elles peuvent nous emmener vers l'infini et au-delà, mais non. Chaud patate, votre... votre truc, là. Vous connaissez... Tétanos, tout ça, là. C'est quoi, ça? Ça ressemble à quoi sur la map? C'est soit une piscine, soit un bac à sable. Vu la taille, j'irais plutôt un bac à sable. Hein. Un crabe. Bah ouais, mais un crabe à sable. Un crabe à sable, ça c'est marrant ça. Putain, mais c'est des gros dégueulasses hein, ici, sérieusement hein. Morceau de pomme. Ok. Des fourmis noires. Ok. Ok. Je peux aller là-bas. Je peux remonter là, ouais. Un crayon. Oh, mais il y a un attroupement là-bas. Tu m'emmènes? Ah non. Oh! Des lunettes. Très bien. Oh! Oh! Il a renversé le barbuck! Salaud! Ça se fait pas, ça, renverser le barbuck. Risque de foutre le feu encore. Lili bouli. J'arrive, hein. C'est trop mignon. Elles sont trop adorables, les abeilles, dans ce jeu. Même si elles buguent un peu dans le son, mais c'est pas grave. Tout va bien. Tout va bien. You're gonna have a look around.
Qu'est-ce qui est... Ouh, il a attaqué. Quoi ? Max a rasé une abeille d'un peu trop près ? Quoi ? Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait, je les ai pas attaqués. C'est pas un bourdon, c'est une abeille. Tu veux pas que je m'attaque, what the fuck? Bon. J'ai compris le truc. Il me faut un marteau de niveau 2. Pour concasser la hanse, ce qui va faire tomber la hanse, qui va me servir comme rampe pour monter sur la table. Ou alors, je me casse le cul à construire encore des trucs en herbe pour monter. Ah. Tu as découvert glaciaire, bah ouais, bah... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là? Oh là là. Il est au moins escalier. Ah, c'est bon. Putain, comme il se... Oh, eh, vous avez vu ça? J'ai fait un escalier qui se fond dans la masse. C'est comme si il avait la même couleur que l'herbe. Oh là là. Si ça, c'est pas de la... Oh là là. Ça, c'est du génie civil, ça. Je devrais me reconvertir. Mais pourquoi vous m'attaquez? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi le délire? Pourquoi vous m'attaquez? C'est quoi ce putain de délire? Pourquoi est-ce qu'elles se mettent à me péter le cul? Salut Radeus. On y va comme à travers une pelle ici. Ouais mais... Non. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. T'es une abeille, je t'attaque pas. Pourquoi tu m'attaques? J'ai pu monter un putain d'escalier jusqu'au fond. Elles m'ont foutu la paix. Je pouvais marcher. Entre elles, elles me foutaient la paix. Pourquoi elles m'attaquent? J'ai rien fait. C'est des abeilles. Les abeilles, ça n'attaque pas. Ça se défend. Ça n'a pas de sens! Ah, je suis là, je les regarde, je ne fais rien.
Mais putain. Je suis bloqué. Non, je suis pas bloqué. J'ai une solution. Je peux me sortir de Strachnar. Je vais utiliser mon escalier comme piste d'atterrissage. Oh putain. Bon, je reviens, il faut que j'aille me moucher, ça va plus là. Je reviens, hein. Ça va mieux. Bon. La fourmi m'a pas du tout fait flipper à popper comme ça d'un coup. C'est pas vrai. Bah, il semblerait que je vais pouvoir fabriquer un nouvel escalier ici pour monter là-dedans. Ça va être génial. Je peux... Putain. Il n'y a pas genre un moyen plus rapide que de faire comme j'ai fait pour arriver juste ici. Genre... Ça, un escalier au colimaçon. Est-ce que c'est moi qui détermine de la hauteur? Ok, c'est moi qui détermine de la hauteur. C'est une idée de merde! Attends. Bon. Alors, c'est en soi, c'est pas une idée de merde. C'est juste que j'ai pas les fonds sur moi là. Et ma viande, elle va bientôt pourrir. Équipé. Pollen. Quoi? Produit des fleurs dont les abeilles raffolent. Quoi? Ok. Ouais. Non. Ça se récolte pas, ça. Ah. Pas comme ça, mais non, pas comme ça, s'il te plaît. Je suis pas arrivé jusque là pour... Oh. L'escalier, de toute façon, il sera toujours là. Donc, moi, j'ai bien envie d'aller à ce truc-là. Le crabe à sable. Mec, il arrive à sauter et se rafraîchir en l'air, quoi. Je vais m'équiper de ma super lance, super efficace.
Avarié, rôti d'astico, ouais, bah... Comment je fais pas? C'est quoi le délire de mettre des trucs beaucoup trop pour que je puisse monter dedans sans me casser le cul à... Hein? Non, parce que j'ai pas envie de refaire un escalier comme tout à l'heure, là, c'est chiant comme la pluie. Oh. Puis passer par là, il y a plein d'orbitelles, donc en gros, the way is shut. On va quand même voir, elles sont peut-être parties en chasse. Il y a peut-être moi. Non, elles sont toujours là. Salope. Pardon. Excusez mon langage. Il va y avoir de l'autre côté. Je me rends pas compte, hein, mais être petit, c'est chiant, en fait. Ouais, quand je dis petit, c'est tout petit, hein. Genre miniaturisé, pas petit, genre... Enfin, bref, vous m'avez compris, quoi. C'est quoi, ça? J'ai entendu un bruit que j'ai encore jamais entendu jusque-là. J'ai pas envie de savoir. Ça va pas recommencer avec les charançons là. Tu dis oh. Sauvegarder. Oh, je vois rien du tout. Hein? Qu'est-ce que... Je vois rien. Oh, je vois rien. C'est quoi ces merdes? Oh mais... Ils foutent quoi dans les canalisations pour que ça fasse ça? Oh là là! Oh oh, j'ai pas de coutal. Ah bah adieu hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Dégage! Oh, voilà! Putain, il faut un couteau de niveau 2. Oh là 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 là. Aïe. C'est où? Je vois rien du tout. Je vois rien. Je sais pas où je vais. Je sais pas. Qu'est-ce que... Oh putain. J'ai trouvé. C'est miracle.
Ok, donc en fait je pense qu'il faudrait que je me fixe comme objectif de me fabriquer tous les outils en niveau 2, ce qui voudrait dire trouver les plans, parce que là ça commence à devenir compliqué d'avancer. Oh, encore ce putain de... La radiation ! Bordel ! C'est où ? Ah bah oui, je suis en plein dedans. Forcément. Salut la fourmi rouge. Mais donnez-moi un moyen de monter dedans, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah. Oh. Ah, voilà. Voilà. C'est ça que je voulais. C'est ça dont je parle. Pareil, combien qu'il y a un truc à faire en déblayant les feuilles, là? Somehow. Alors, juste checker. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça mène où? Tuyau d'arrosage. Oh! C'est quoi ce qu'il y a là en dessous? C'est un labo! J'ai... Oh, j'ai trouvé un labo! Qui est verrouillé. Myrte. Un cloporte. Maladif aussi. Putain, mais c'est vraiment des gros dégueux, hein. Moi, si j'avais un jardin, je jetterais pas mes canettes de soda et tout, là. Quoi, ce délire? Je sais que les scientifiques sont excentriques, mais là, c'est grave. C'est quoi ça? Voilà. Voilà. Moucheron dodu. Hein? C'est marrant, le tuyau comme ça, on dirait presque qu'il y a un truc au centre. Il y a une goutte de soda qui est tombée. Elle est où? Là. Bon. Le tuyau d'arrosage pour monter dans le crabe à sable. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir y trouver là-dedans. Enfin, je disais monter dedans, ça me paraît un peu abrupt quand même. Mais on va voir, ça se trouve, on a le même effet passif que le cheval de Skyrim. Et pas du tout. Nique-moi. Ah, putain. Bon, par contre, là. Là, en vrai, c'est pas un gros problème. Je peux peut-être ruser. Si je fais... Hey, attends.
Attends, attends. Merde, reviens. Incompatible. Salaud! Je me suis dit, je fais ça et puis je monte dessus, mais non, il veut pas. Ah! À moi le jus. C'est quoi ça? C'est... Oh. Pourquoi c'est tout... C'est radio... Ouais. Ouf. Ouh les dégâts. Oh d'accord. Il fait deux pas dedans, midlife. Pardon, hein. Putain, mais ça aussi, c'est parce que c'est en putréfaction, c'est ça? Some people at school think tipping over trash cans is the height of entertainment and comedy. Eh mais... Ah, d'accord, c'est le... Ouais. Équipement de niveau 2 et masque à gaz. Mais pour le masque à gaz, il me faut, que je tue une punaise. Et tuer une punaise, bah bon chance. En plus, c'est complètement con pour tuer une punaise. Il me faut un masque à gaz vu qu'elle fait du gaz. Ouais. Ouais. Il y a vraiment pas moyen de monter Non, mais je sais comment je vais faire pour Pour la punaise, je vais faire un arc et des flèches. Ah, attends, je vais essayer un truc. Il y avait une barquette. Si j'arrive à mettre un plancher en herbe en haut de la barquette vers le bac à sable, il y a peut-être moyen. Ouais. Raser le mur. Là. Ah normalement j'arrive à monter en haut. Ouais. Ah ouais mais même... Ça me paraît... Oh putain... C'est chiant là. Et puis même je peux pas... Oh, putain. Incompatible, mais comment ça? Ouais, bah d'accord. Ah bah ouais, bah d'accord, super. Putain.
super puce électronique. Mais putain, il me met des trucs. Ça marche, Iradeus, pas de soucis. Merci. Il me met des tags de super puces à des endroits. Y'a rien. Y'a R. À moins que ce qui met, c'est pas là, l'endroit exact, c'est la zone. Auquel cas, ça voudrait dire que la puce elle est là-dedans et je peux pas y rentrer. Oh. Laisse-moi deviner, là aussi il y a de la radioactivité. Bah oui. J'ai l'impression que je viens d'heurter un mur. À moins que... À moins que... T'en voir. Eh. Non ! Putain, j'y étais. Vous savez ce que je veux faire, là ? Vous avez compris ? Ah... Ok. Mais putain! Il est chaud. Je vous cache pas que le live va peut-être pas faire 2h30 contrairement aux deux précédents. Parce que là, il fait chaud. J'ai chaud sa mère. Ah. Bon. Tu vas monter sur ce putain de brin d'herbe, connard. Voilà. Non. Oh, putain, bon, allez, c'est une technique de merde. Hein? Corbeau. Ok. C'est pour ça. D'accord, c'est du raid en fait. C'est la zone anti. Mais pourquoi ça fait muter les insectes alors? Moi que ce soit un mélange de produits? Une expérience interdite? Oh putain. Serait-ce. Oh ta gueule. Je sais plus ce que je voulais dire.
Je suis low life. S'il vous plaît, laissez-moi survivre. J'ai chaud. Oh non, 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 pas comme ça. Pelle inclinée. Oui. Roche fissurée nécessite un explosif. Oh! Il y a un truc en dessous. Eh ben, mon kiki, il y a encore masse truc à faire, hein? It's not lemon crime, but it's better than nothing. Moi, je te dis, on n'est pas au bout, hein. Où c'est que je pourrais trouver les plans des outils de niveau 2? C'est ça la question que je me pose maintenant. Déjà, qu'est-ce qu'il me faut pour crafter un arc? Ah, mais la hache de niveau 2, je... Bout de bombardier, ta race maudite, ta race, elle est maudite. Chélicère d'araignée, morceau d'araignée, j'ai rien dit! Arc en branchette, duvet de moucheron. Merguez, explosif, quoi? Œuf de fourmi rouge, moisissure? Oh... Oh. Oh. Ok. Ok. Je vais retourner à la maison. Je vais changer ma stratégie. Quelque chose me dit que la fourmilière noire, elle est dans le coin. En fait. Ça, si j'arrivais à... Trigger la coccinelle pour qu'elle attaque la punaise. Parce que les coccinelles, c'est des cons zéro dans ce jeu. Là! Elle est là! Oh! Pardon! Je voulais pas! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je me barre, je me barre, je me barre, je me... Oh putain, il y a des araignées, mais non, niquez-vous! Oh putain. Il y a de la science, raw science. Oh! Wow! Oh, giga vénère l'araignée, hein. Oh merde.
Je sais un truc. Ok. Ouais, enfin bon. C'est tellement fatigué ce truc que c'est juste pour amortir une chute en fait. Ok, on est revenu à la maison. On va sûrement nous rencontrer des putains de bébés araignées de Seymour. Eh, j'ai chaud, hein, ça devient super. Je suis en sueur, j'ai le t-shirt trempé là. C'est fou. Et niquez-vous. Allez hop. Bon, UV d'acarien, ok, corde rudimentaire, putain mais tu peux pas me les crafter en même temps pour tout. Ok. Gourdin de forme, ah ça par contre c'est cool. Deux cordes rudimentaires. Let's go. Ça aussi. Attends. Aquatique, ouais, non. C'est ça qu'il me faut, en fait. En plus, ah, il manque du. Allez, on fait la capuche en trèfle, comme ça il est content. 250 sciences brutes, parfait. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Armor, armor. Ok. Ah ah. Et attends, il fait beaucoup de dégâts ce truc. Qu'est-ce que je pourrais consommer? J'ai pas envie de consommer ça parce que je l'ai pas encore analysé. Hey yo, les bébés araignées! Viens là! Saloperie! Reviens là! C'est de la merde en barquette. C'est de la grosse merde. De la grosse merde! C'est lent! Putain, c'est un gourdin niveau 2 et il fait à peine plus de dégâts que ma lance de niveau 1, quoi. Oh non! Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non!
Là-bas. Il y a des trucs à analyser. Mais non, mais vas-y, j'en ai marre de la caresse, c'est chiant là! Ouais, me dis, c'est de l'autre côté de la branche. Branche liquide, ok. Éternuement shinobi, ok. Flèche de pollen. Une flèche imprégnée de pollen, parfait pour abattre les bestioles volantes. Ok. Le sympa de repère, la fourmilière rouge. Ok. Sauvegarde. Hop. Eh, je vous avoue, je vais peut-être arrêter le truc ici. Je décède de chaud, c'est hallucinant. Avec le casque, le PC qui tourne à fond, les ballons et tout, là, c'est... Ah, oh, c'est compliqué, là. Hein? Épée larvaire, une lame en décomposition trouvée plantée dans un caillou, son odeur affreuse et sa texture visqueuse, un turc, dit qu'elle doit être là depuis un bon moment. Quoi? What? Il y a Excalibur? C'est sérieux? J'ai jamais... C'était là avant ça? Je suis passé à côté de ça, moi? Hein? Ah non! Putain! C'est bon? Ok. Niveau super. Ah. Palme en nageoire, casque bulle. Oh! Lanterne de Mixumisette, lampe frontale luciole. Ok. L'heure. Ok. Pour distraire les prédateurs les plus imposants. Ah, ça c'est... Ça c'est pas mal ça. Ok. Ça c'est cool.
Ok. Une lame efficace fabriquée à partir des bulles dentées d'une larve. Capable d'empoisonner sa cible. Ça, c'est pas mal, ça. Je peux réparer celle que j'ai? Ah, mais elle est déjà... Ah, mais oui, elle est pourrissante, oui. Oui. Tester un truc. Ah ouais, la vitesse d'attaque, c'est pas la même. Et ça empoisonne, effectivement. Ça, c'est cool. Ça, c'est une belle trouvaille. I'm not picky. Hein? Oh! Tu m'attaques pas, toi, hein? Oh, putain. Eh. Maintenant, je peux empoisonner. Oh! Bon, alors, le poison... Aïe! Un peu plus efficace, hein. Je me fais one shot, two shot, three shot. Ah, ah. Ah. Ok. Je sais ce que je vais devoir faire dans le prochain épisode. C'est améliorer mon putain d'équipement. Mais le problème, c'est que je peux pas. Parce qu'il faut que je bute des trucs imbutables. Avec l'équipement que j'ai. Et trouver des cadavres, des trucs qu'il faut que je bute. Bah, oh putain. C'est impossible. Pourquoi j'entends de la raw science et y a pas rien nulle part, là? Ah! Only chemistry class was this easy. Ok. Ah, ce nez. Ok. Bon, allez, j'ai trop chaud. J'en ai marre. Ça suffit, là. Ah! Bon, bah, du coup, épisode 1, chouille plus court, mais là, c'est 4 forces majeures, j'en peux plus, là. Si je me secoue un peu trop fort, ça va de partout. Donc, bah, bonne nuit, et on se revoit dans le prochain stream, espérons-le, dans des conditions un peu plus respirables. Voilà. Et, merci d'avoir été là. Merci d'être fidèle au poste et toujours debout. À plus.